Un de mes beaux souvenirs de cette salle ici, c'est que nous avons reçu les frères Jacques. Nous les avons conviés, j'étais membre du comité à cette époque, et ils ont accepté de venir ici. Ils nous avaient demandé deux choses, qu'on leur prépare une petite agape à 23 heures, qu'ils avaient fini le spectacle. On a organisé ça au salon du comité, et ensuite ils sont montés ici. Un d'entre nous jouait du piano, on chantait quelques chansons paillardes. Ils ont chanté un petit peu avec nous. Et un des frères Jacques a dit, est-ce que je peux prendre le piano? Puis notre pianiste, bien sûr! Et on a chanté avec eux jusqu'à 3 heures du matin. On n'a jamais chanté la même chanson et c'était que des chansons paillardes. Ils avaient un répertoire extraordinaire. Il y a eu une ambiance à ce moment-là dont je garde fréquemment un souvenir lumineux. Cette maison, c'est tout ce qui s'est passé depuis 1905, la section vaudoise de Zofingue. C'est ici, c'est le lieu de vie de Zofingue, fondamentalement la Vaudoise. Il y a une pièce en bas, c'est une pièce plus conviviale, etc., dans laquelle il y a des canapés. Et petit à petit, tout le monde venait de cet endroit, on buvait un verre de vin, on discutait, parce que c'était plein de vie. Quand j'étais jeune, j'avais deux pianos, il y en a un qui n'avait plus du tout. On l'a sorti d'ici, on l'a amené dans une gravière, et puis on avait un ou deux chimistes, et on a lancé quelques cocktails Molotov sur ce piano. On a incinéré le piano. Ce qui m'a amené à Zofingue, c'est une tradition familiale. Mon grand-père a été zofingien, mon père a été zofingien. Il est décédé que j'avais 9 ans. Alors à 18 ans, je n'ai eu aucune hésitation et j'ai été admis en décembre 1975. On n'est jamais seul de la Bauche, même si physiquement, matériellement, on est seul, parce qu'on est avec l'esprit de Zofingue. Pour moi, Zofingue est là. Mes frères zofingiens sont là. Ils ne sont pas là matériellement, mais ils sont là intellectuellement. Je les vois. Ils sont là avec moi actuellement.